Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et je vous fais cette vidéo pour vous prévenir que la première station de tourelle a été construite sur Fortnite. Donc cette station de tourelle, c'est celle qui se trouve à Bonneburbs et je vais vous expliquer un peu plus et je vais vous la présenter juste après. Mais là, je vous explique un peu plus le concept. Alors le concept que Fortnite a implanté depuis la saison 8, c'est un poste de financement. Voilà, les postes de financement vous servent à faire des dons. Donc vous appuyez sur carré et vous pouvez faire un don au poste de financement, ce qui vous donnera des petites potions en échange et ça coûte 50 lingots d'or. Donc vous recevez, je pense, 3 potions ou 2 potions contre 50 lingots d'or. Et en fait, le but de ce concept, c'est que toute la communauté doit faire des dons pour débloquer justement la tourelle que vous voyez à l'écran. Donc un poste de... donc une station de tourelle. Alors là, vous pouvez voir que cette station ici à Catty Corner a été financée à 60%. Donc c'est quand même blindé de lingots d'or parce qu'il faut savoir que il y a 2,4 milliards de lingots d'or qui ont été donnés à ces postes de financement. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment énormément de personnes qui utilisent ce poste de financement pour acheter des potions et en même temps ça fait une donation pour justement construire une station de tourelle. Donc là, je vais vous montrer la station de tourelle qui est arrivée aujourd'hui, qui vient d'arriver là, il y a une heure plus ou moins à Bonneburbs, donc juste ici. Je vais vous montrer l'emplacement. Mais avant ça, je vous affiche une map avec tous les emplacements des postes de financement que vous allez pouvoir faire des donations ou des futures stations de tourelle. Parce que quand les postes de financement seront financés à 100%, ça deviendra une station de tourelle. Donc voilà, vous avez l'image à l'écran avec tous les emplacements. Alors la station de tourelle qui se trouve à Bonneburbs, c'est celle-ci. Donc voilà, vous pouvez... En fait, c'est tout simplement une tourelle déployable en fait. Hein. Vous appuyez sur carré et vous rentrez dans cette tourelle. Et boum, là, vous pouvez détruire absolument toutes les constructions très rapidement et même infliger des dégâts aux adversaires. En plus, c'est super cheaté parce que ben voilà, il y a blindé de munitions et ça fait vachement beaucoup de dégâts. Donc voilà, quand il y en aura vraiment partout, je pense que ça sera peut-être un peu trop cheaté, mais on verra bien ce que ça donne. En tous les cas, c'est quand même incroyable qu'il y a eu 2,4 milliards de donations en lingots d'or sur le jeu en à peine 3 jours. Quoi. Ça fait quoi? Ça fait 2 jours que la saison elle est disponible, genre 3 maximum. Et en 3 jours, 2-3 jours, il y a déjà eu 2,4 milliards de donations de gold. C'est juste incroyable. Et voilà à quoi ressemblera toutes les autres postes de financement quand ils seront financés à 100%. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace.